Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 2 de Monster Hunter World, vidéo découverte. Et donc avant on avait fait le grand Jagra, le dévore-tout, alors qu'il nous a pas réellement dévoré, qui était un peu inoffensif, hein, faut bien l'admettre. Bien là on va s'aventurer dans la terreur du désert des termites. Attention, c'est parti. Difficulté intermédiaire. Équipement, bah on s'en fiche. Départ. Bon, j'ai un peu la flemme de passer du temps là-dessus. Surtout que ça peut être chiant pour vous. Et encore, heureusement qu'il n'y a pas eu pour les avatars, heureusement qu'on n'a pas de choix. Sinon j'aurais pu passer 10 minutes sur les avatars. Ça aurait pu être un peu gavant. Ah, et aussi, ça faisait... C'est vrai que sur la chaîne, ça faisait un petit moment qu'il y avait un petit blanc, il n'y avait pas de vidéo. Évidemment, je continue à aller Super LoL Saga. Forcément, je vais pas m'arrêter d'un coup. Mais il faut bien comprendre que j'ai souvent pas trop le temps et que c'est des vidéos très longues à faire. Là, par exemple, là, c'est des vidéos découvertes sur Monster Hunter World. Ça se fait à la bonne franquette, à l'arrache, et sans montage. Donc ça, je peux uploader direct. Alors que Mario et Luigi, Super LoL Saga, c'est autre chose. Donc alors, selon des témoins, notre cible a été aperçue dans les environs. Si tu te perds, jette un coup d'œil à la carte. Ok, faut encore regarder la carte. Regarde. Bon, par contre, la PS4, elle souffle un peu hein, quand elle lance ce jeu. D'habitude, elle... Je vous jure que d'habitude elle fait presque aucun bruit, mais là dès que c'est Monster Hunter World, c'est différent. Bon, ça va encore, ça fait toujours moins de bruit que mon PC. Encore heureux, j'ai envie de dire. Voilà. Même si dans pas de... Enfin, je pense dans quelques mois, je me ferai un nouveau PC. Et ça sera du be quiet, hein, parce que bon... Ça m'énerve un peu que ça fasse un boucan pas possible. Ça serait une meilleure carte mère, parce que bon, quand on prend, faut savoir que quand on prend une carte mère bas de gamme, eh bien, même si on prend après un bon ventilo qui fait pas de bruit, ou une bonne carte graphique qui fait pas de bruit aussi, vu que c'est une carte graphique haut de gamme, eh bien, à côté de ça, la carte mère, elle a pas les options pour pouvoir faire ventiler un peu moins fort les différents ventilos du PC, de la tour. Et donc du coup, c'est mis à la base en maximum, et voilà. Parce qu'on n'a pas des options pour... Et ça, c'est un peu pénible. Même si bon, je m'y suis habitué, hein. Après, évidemment, avec le casque sur la tronche, on n'entend presque plus le bruit de la mort. Et ça empiète pas tellement sur le micro, parce que j'avais fait quelques vidéos sur PC. Par exemple, je sais pas, j'avais fait Far Cry Primal dernièrement. Ça empiète pas trop sur le micro. Et encore moins avec le nouveau micro que j'ai pour mes sessions sur PC. Voilà. On attaque tout, hein, c'est bon, moi... Je veux de la viande, je veux bouffer. Alors c'est très réaliste, hein, il le fait sur la Terre, mais ça marche quand même. Par contre c'est censuré parce que... D'accord, ça a disparu. Ok. Je rappelle que nous sommes sur PS4 et non sur Wii U, mais c'est pas grave.
Ah, c'est... Ça a quand même une putain d'ambiance. Là, ça fait très... Avec les montagnes comme ça au loin, rocheuses, ça fait très Xenoblade Chronicle X. Bon, évidemment, là, c'est en bien plus beau, mais... Après, cette zone a l'air quand même moins jolie que la zone précédente. C'est très calme. Après, peut-être qu'on va repasser à la zone précédente. Il y a des endroits qu'on n'a pas encore regardés. Je ne sais pas, après. Enfin, je vous ai pas montré. Parce que moi, il y a quand même plusieurs embranchements dans chaque zone. Après, combien de zones il y aura en tout, je ne sais pas. Parce qu'après, dans Monster Hunter 3, il y avait beaucoup de zones, finalement, c'était juste des espèces de... Enfin, c'était pas des zones immenses, c'était... Des zones assez grandes, il y en avait quelques-unes. Il me semble, mais... Ça se comptait sur les doigts de la main, alors que... On avait au moins plus de 300 quêtes. Mais d'où viennent les 300 quêtes? Ben en fait, la plupart du temps, c'était des affrontements contre des monstres. Et c'était souvent des boss. Ah, on peut choper une bouse. C'est génial. Munition pour fonde émet une odeur insupportable pour certains monstres. Et lui, il veut se battre là. Il veut se battre contre le King, le Parpi-Mougeot. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, tu veux tâter de mon épée qui ne marche plus? Purée. Ah bah tu as bien raison. Mais comment ça se fait qu'il ne veut plus attaquer des fois? Mais purée. En fait, je crois que j'appuie sur le bouton pour transformer l'arme. Donc attendez. Ah bah voilà. C'est triangle pour vraiment attaquer. Ah bah voilà. Voilà, il attaque. Mince. En fait, je crois que c'est pour juste métamorphoser l'arme, comme dans un Bloodborne par exemple, où on pouvait aussi changer l'arme, mettre une ou deux mains. Là, je pense que c'est la même chose. Sauf que c'est moins bien expliqué, je trouve, là. Je ne comprends pas. Ils sont un peu lents à tuer quand même. C'est des mini-boss. Voilà, alors je dépouille ces poteaux, hein, juste devant lui. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Purée, mais... Vas-y, tu veux te battre, là? Ah, je voulais pas en arriver là, mais... Tu ne m'as pas laissé le choix. Moi, pas parler la France. Ah, c'est quand même impressionnant. Prendre des champignons comme dans Zelda, hein, comme dans Breath of the Wild. Il y a un peu de craft, hein, évidemment. Il y en a même peut-être un peu trop. Pardon, en tout cas, dans le 3, je me souviens qu'il y avait beaucoup de craft. Bah, les premières quêtes, voilà, du 3, le problème c'était souvent, c'était pas trop des affrontements de monstres. C'était surtout dans la démo qui nous montrait les meilleures parties du truc. Parce que, en vérité, dans Monster Hunter 3, au début, vous débutez, pendant 10 heures quasiment, et bah c'est du craft. C'est souvent un bonhomme qui vous demande, bon allez, recherche-moi du fer, voilà, que vous allez trouver par terre comme ça dans la prairie, mais je vous dis pas trop où, et voilà, démerdez-vous. Et quand vous en avez trouvé, rapportez-les-moi, et on verra bien, on pourra vous faire un nouvel équipement. Et en fait, le nouvel équipement, c'est un truc moins bien qu'avant. Allez, j'exagère, mais bon. C'est vrai que le début, c'est souvent, on cherche. Ah bah c'est sûrement le monstre qui règne sur cette région, on rigole pas avec lui. Ah, c'est pas notre cible.
Bon, on va peut-être pas l'affronter alors. Eh ben, elle veut absolument qu'on se cache. Hein. Peut-être qu'on n'est pas assez levelé pour combattre ce monstre. Genre ici. Je pense que ça marche pas tellement bien. Ouais, ils ont souvent des designs de dragons. Ah là, ils courent d'une façon très... assez... C'est pas réaliste. C'est très cartoonesque. Ça fait très manga en fait quand il court. Genre un personnage qui s'enfuit comme un lâche. Ah là, il y a des wyvernes. Et à ce gros monstre, c'est peut-être lui, monstre découvert, Baroth, niveau plus, traquer le monstre. Bon bah ok, bah c'est lui. Ah, est-ce qu'on peut couper leur queue? Est-ce que c'est comme dans Dark Souls? Dans Dark Souls, il y avait des monstres, on pouvait leur couper leur queue. Voilà, beaucoup de comparaisons à Dark Souls, évidemment. Oui. Je suis quand même un pro Dark Souls, j'ai quand même fini le premier, le deuxième il avait bien fait chier à un moment. Bien crispant hein. Ah mais on a envie de continuer hein, malgré tout. Ah le deuxième il était bien hard. Le premier aussi mais ça allait encore. Et le 3, j'ai pu pas mal y jouer. Et Bloodborne, faudrait que je le finisse. Fichtre. Purée. Puis, hein, je ferai sûrement des vidéos tests sur ces jeux-là. Purée, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que là, je suis pas très en forme. Eh ben, rond, c'est aussi pour faire des... attaques. Ah bon, il met du temps à boire. Je crois qu'il faut pas aller là-dessus. C'est le bordel. Que se passe-t-il? Ah, le personnage est quand même très lourd. Mais bon, après, moi, je pense que je prendrais pas trop une arme comme ça. Je préfère la jouer rapide. Enfin, je dis ça, mais dans Dark Souls, au début, j'aimais bien avoir une petite épée, mais finalement, une épée longue, vite fait. Mais finalement, à la fin, j'étais avec... avec une grosse épée comme ça. Même la claymore, c'est l'une des meilleures armes du jeu. Et par contre, elle est très lente. Et pourtant, l'arme, elle est petite. Enfin, c'est aussi grande qu'une épée, courte, quoi, une épée longue. Du tout. Une épée longue, c'est petit. Après, on peut interrompre... nos attaques avec croix, en faisant une petite roulade. Mais purée! C'est quand même laborieux. Purée, mais pourquoi il se lève pas? Ah, récupérer. Vite, soigne-toi. Ouais, c'est chaud, là. Je fais n'importe quoi. Mais attendez, faut peut-être... Parce que l'arme elle est pas très efficace là. Peut-être que je fasse... Ah, ou couteau au poison, c'est quoi ça? Déséquipé. Ah, fichtre. Ah, ça nous ralentit ça. Ah, je me suis fait toucher par quoi?
Le problème, c'est qu'ils vont trop vite. Bah, tout, ça se joue beaucoup avec les lucioles, quand même. Tu peux exécuter des attaques sautées. Oh, j'étais un peu trop. Bon, c'est pas comme dans Far Cry où le personnage saute à 1 mètre et pouf, il se casse une jambe. Ah, attention. Attention, la skill, la skill. Voilà, un uppercut de l'épée. Complètement foiré. Ah, il bouge dans tous les sens, purée. Ah, il est quand même moins simple à esquiver que l'autre. Hein. Un trait, c'est intermédiaire. Bon, ils sont très longs à abattre, hein, les monstres. Ah, purée. On peut pas mal les bourriner, par contre. Ah, faudrait par contre que je regarde ce système de... Quand on est assommé, là, je ne piche pas. Ça somme, c'est un peu quand il veut. Peut-être qu'il y a une jauge là-dessus. Peut-être par rapport à la jauge d'endurance. Je ne sais pas. Oh, purée, faut aiguiser l'arme. Fish. C'est un peu galère. Bon, c'est où qu'il y a les trucs pour aiguiser là? Ah voilà. Bon, désolé. Et purée. Ah, c'est bon, c'est aiguisé là. J'ai l'impression qu'il y a le logo en haut à droite, ça veut dire que c'est bon. Bon, je pense. Ah non, on fait presque pas de dégâts. 10 de dégâts, purée. <C'est>... Il marche dans la merde. Ah, purée. Je pense que les monstres, ils ont un point faible, parce que des fois, on fait plus de dégâts et le chiffre est jaune, donc je me dis qu'il y a un truc. Ah. On peut choper la queue. Très durable utilisé pour les armures, bah tiens. En même temps, vu les dégâts qu'on lui fait, hein, il est bien protégé. Hein. Donc, hein, je pense qu'il va nous looter une peau pour une armure de fou. Oh purée, il se dirige vraiment dans les pires endroits, lui. Il a tout compris. Pour bien qu'on galère après. Parce que là, dans la flotte, le marécage. Ah purée, il continue à faire sa bouse. Mon dieu. Là, on n'est plus qu'un punching ball. Ah, c'est le chat qui m'a tapé. Ah oui, pour que je me réveille. Ah, c'est pas mal ça. Et donc faire gaffe aux petits monstres là, ils peuvent nous paralyser. Et paralyser aussi le monstre qu'on a vu. Le gros. Mais par contre mon arme elle est vraiment inefficace, purée. Ton poudre de pierre, ça fait quoi ça? Ah bon, je sais pas trop à quoi ça sert. Poudre du démon. J'essaye tout. Poudre de vie, ça c'est pas mal, je pense. Je pense que c'est une sorte de fumigène là pour pouvoir se soigner. Ah, pas tellement. Attends, j'essaye. Ah si, c'est ça. Ah, couteau paralysant, je suppose qu'il va balancer un couteau. Ah mais comment on les utilise les couteaux? C'est bon, quand je fais ça, il utilise que son arme principale. Peut-être triangle. Ah c'était... Non, ça c'est la caméra.
Ah bon, je sais pas. Là, faut un peu quand même changer un peu les moves. Bon, il a plusieurs movesets, hein, faut un peu en profiter. Puis qu'est-ce qui se passe? Il joue à la Sonic là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un monstre qui se... Ah, ok. Je crois qu'il s'était mis en boule, en fait, il combat un autre monstre. Ah, c'est stylé ça. Je ne comprendrai jamais pourquoi mon arme est rouge, mais bon. Ah purée. Ah, il fait que de crier, du coup je peux pas avancer. Ça te paralyse. Bon, attendez, c'est où pour refaire son arme là? Ah bah oui, c'est ça, en fait on coupe l'animation avec croix et ça ne coupe pas par contre l'efficacité du truc. Mais c'est complètement cheaté. C'est-à-dire qu'on peut aiguiser, faire croix juste après pour que l'arme soit aiguisée en une seconde. C'est un peu cheaté ça. Par contre j'espère qu'il se soigne pas complètement en faisant ça à chaque fois. Ça va pas le faire. Hein. Bon, c'est quand qu'il meurt parce que... Partie détruite, oui mais... Mais on a détruit presque toutes ces parties. Qu'est-ce qui se passe? Il faut détruire ces parties génitales pour que ça marche. Pas possible. Il ressemble plus à rien le monstre. À prendre dans la flotte là, c'est compliqué. Alors je suis sûr qu'il y a beaucoup de... Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui doivent criser devant leur écran à me voir jouer comme ça. Beaucoup de pros Monster Hunter. Et là, il se baigne, mais est-ce qu'il récupère de la vie en faisant ça? Je pense pas, c'est pas marqué. Peut-être que c'est réaliste et en fait il se sent sale parce qu'il saigne de partout, du coup il se nettoie comme ça. Faut voir le côté réaliste. Est-ce que ce jeu est très réaliste dans son ensemble? On dirait que c'est raté pour cette fois, mais on retentera le coup bientôt. Effet Istre. Ce fut une échec cuisante. Ah, en même temps, il est immortel le truc. Bon, après, j'aurais pu, au début, mieux jouer. Mais bon, à la fin, dans la flotte, on peut pas faire énormément de choses. Je sais pas trop comment ça se passe. Et par contre, est-ce qu'on est vraiment limité comme ça dans le temps, dans le jeu principal, dans le jeu de base? J'espère que non. Moi, j'aime pas quand c'est timé. Hein. Je le dis tout de suite. Le problème, je crois qu'il y avait beaucoup de missions timées dans le 3. Enfin voilà, deuxième partie, on va dire achevée, avec une défaite cuisante. C'est triste, mais bon. On va pas recommencer. On recommencera peut-être, mais dans la version finale, qui se passera sur PC. Il faudrait que j'essaye le mode multi. Quoique, bon... Si c'est pour essayer pendant 5 minutes avec un joueur et qu'en fait après on lui fout un vent, c'est un peu con. Et ouais, c'est un jeu très axé multi aussi. Hein. Multi-coop. Alors, bon, je vais pas la mettre changer. Bon, voilà, ce fut un fail. Je pense que moi, bon, je le ferai dans mon coin. Je finirai dans mon coin, mais bon. Je le referai pas en vidéo. Bon, vous voyez, c'est quand même trop long. Donc, dans la prochaine partie, on fera la partie expert. Ça sera encore plus dur. Alors, on se battra pas dans...
dans de la vase ou dans un marécage, mais ça sera encore pire. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire? On se battra dans des ronces. Voilà, ça va être épique. Alors, tohu bohu dans la forêt ancienne. Bon, voilà, on se retrouve dans la forêt ancienne, dans la partie 3. À la revoyure pour de nouvelles aventures.